Je m'appelle Émeric Chérel, je suis agriculteur à Saint-Émile-Tenu, à la Petite Roche. Je suis producteur de lait, donc avec environ 60 vaches laitières. Et donc j'ai mon ami qui vend le lait en direct aux consommateurs sur la région nantaise. C'est mon mari qui lui a toujours voulu livrer son lait à domicile. Depuis qu'il a l'âge de 16 ans, il a toujours voulu faire ça. Et puis il s'est installé et puis 6 mois après, on a connu la crise du lait. Donc en tant que jeune agriculteur, se lancer, avoir des prêts sur le dos, c'est vrai qu'on s'est vite senti mal, donc il fallait faire quelque chose. Et donc il a avancé ce projet de vente directe. Donc je mets en bouteille mon lait frais pour pouvoir le livrer demain matin de bonne heure à tous mes clients. Donc c'est du lait frais, du lait cru et qui provient directement de notre exploitation. Et les vaches, elles sont traites suivant leurs besoins. Elles passent à peu près entre 2 et 3 fois au robot de traite. Et elles y vont quand elles ont envie. Donc au printemps, elles vont dehors dans les champs et puis elles reviennent se refaire traire automatiquement d'elles-mêmes. Donc elles viennent dans la salle de traite spontanément Voilà. et le robot Le robot les s'installe tout traite seul et et... il est mobile en fait et donc elles passent par leur porte. Elles sont reconnues grâce à un collier et puis il la traite et il la fait sortir et après soit elle mange, soit elle va au pâturage ou sinon elle peut se reposer suite à la traite. Et donc ce robot de traite envoie non-stop du lait dans le tank. Oui, c'est ça en fait. C'est en permanence qu'il envoie du lait dans le tank. Et donc c'est ce lait que vous livrez. Voilà, c'est ce lait frais que je livre à mes clients de bonne heure pour leur petit déjeuner. Donc il n'a subi aucune transformation. Aucune. Là, j'ai pas mis d'eau, j'ai rien mis du tout. Je le prends directement et je le mets dans mon Kangoo frigo pour livrer après mes clients. Souvent, mes clientes, elles sont ravies de retrouver ce goût en fait du lait cru qu'elles ont souvent perdu, parce que c'est vrai que ça se fait plus du tout. Donc, elles sont ravies de retrouver le vrai goût du lait. On livre 3 fois par semaine sur plusieurs communes du Sud-Loire. Et puis, on livre avant 8 h du matin pour que mes clients récupèrent leur bouteille de lait et le consomment pour le petit déjeuner ou pour leur dessert pour le week-end. Donc je récupère la bouteille vide avec le ticket et donc je remets ma bouteille pleine à la place. Et c'est reparti pour un prochain client. Aujourd'hui, on a à peu près 10% de la production qui part en vente directe et puis le reste à un fromager et le reste à une coopérative agricole. Ça représente un petit pourcentage, mais c'est vrai que ce petit pourcentage nous fait beaucoup de bien. Rien que moralement, d'avoir des clients qui nous disent merci pour votre lait, il est bon. Rien que ça fait chaud au cœur.